Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur la guidance sentimentale à choix du mois de novembre 2022. Alors je vous propose trois choix, vous êtes libre entre de choisir les trois tas, un des trois tas ou deux, enfin comme vous le sentez, comme vous le ressentez. Vous pouvez mettre pause aussi hein, sur la vidéo si vous souhaitez prendre plus de temps pour choisir. Pour vous aider à choisir, eh bien, j'ai pris des petites charmes, j'ai pioché des petites charmes au hasard. Donc, est tombée pour le tas numéro 1, la feuille. Si j'arrive à la vous montrer. La feuille. Tas numéro 2, nous avons la queue de la baleine. Et tas numéro 3, nous avons le hibou. Hibou, chouette, hein. Voilà. Et donc, une fois que vous aurez votre choix, nous irons voir les résultats de la guidance. Allez, on va commencer par le tas numéro 1, celui de la feuille. Voyons voir ce que l'on a à nous dire. Alors, la feuille, déjà, la feuille symbolise peut-être déjà le lâcher prise, hein, parce que là, elle n'est pas accrochée à un arbre, elle est toute seule, elle est tombée, un petit peu comme à l'automne. Donc, ça peut être déjà l'automne, hein. Ça peut être aussi, j'entends, le lâcher prise, hein, qui est symbolisé justement dans l'automne, quand les feuilles tombent, c'est vraiment un symbole de lâcher prise. Donc, peut-être besoin de lâcher prise par rapport à une situation relationnelle, sentimentale, amoureuse. Mais la feuille aussi est un symbole de bonheur, de prospérité et d'espoir. Donc par exemple, si vous êtes célibataire, on vous dit de garder espoir aussi que le bonheur et la prospérité amoureuse et relationnelle est en approche et que vous aurez bien quelqu'un peut-être un jour dans votre vie. Alors on va aller voir les conseils justement de vos guides sur le plan relationnel ici, pour tous ceux qui ont choisi la feuille. Alors le premier conseil des guides ici, c'est conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors pas forcément que amoureuse, hein. Il est tout simplement question de dire ce que l'on a sur le cœur, de parler de cœur à cœur, de se parler ouvertement, de se dire les choses avec honnêteté et sincérité. Voilà le premier conseil ici pour ceux qui ont choisi la feuille. On vous invite à parler vraiment ouvertement de votre cœur. Alors, on parle du grand-père ici. Alors, le grand-père symbolise déjà la sagesse. Donc, en fait, on me dit aussi que il peut être question de discuter cœur à cœur de façon sage et posée avec quelqu'un. Deuxièmement, le grand-père, ça peut être aussi de discuter cœur à cœur avec peut-être quelqu'un qui est plus âgé autour de vous. Ça peut être un homme plus âgé, ça peut être votre partenaire s'il est plus âgé, ça peut être un parent ou un grand-parent aussi. Il y a éventuellement besoin de discuter avec quelqu'un qui a peut-être de bons conseils aussi à vous donner, de parler aussi de ce que vous ressentez peut-être à quelqu'un autour de vous qui pourrait amener sa sagesse, j'entends. On me parle ici de prise de conscience de ton âme sœur. Donc en effet, ici, de discuter peut-être tout simplement de ce que vous avez sur le cœur et ouvertement de ce que vous avez sur le cœur pourrait amener aussi votre âme sœur à comprendre certaines choses, à ouvrir davantage peut-être son cœur à elle aussi ou il aussi, à lui aussi. Il est peut-être question aussi de l'hiver ici, j'entends l'hiver, donc ça peut être aussi de prendre le temps de discuter, de se dire les choses, etc. Et ça pourrait amener quelque part au fil du temps et d'ici l'hiver une certaine prise de conscience de la personne que vous aimez ou de la personne avec qui vous avez vraiment envie de dire les choses. Ici, on a le chiffre 3 déjà qui revient avec cette carte de la chance. Donc le 3 symbolise... l'action, le fait d'agir. Donc en effet, hein, on est dans l'action de discuter, d'avoir une conversation cœur à cœur. On vous parle de la permission aussi. On vous dit ici que vous avez finalement le feu vert, que vous avez la permission par rapport à quelque chose. J'ai juste besoin de me dire oui pour que l'amour frappe à ma porte. Donc en fait, c'est ce qu'on vous disait avec la feuille, je vous disais de garder espoir parce que il y avait aussi le bonheur qui était à proximité, qui était prêt à arriver à votre porte. Alors, votre âme sœur est peut-être quelqu'un de plus âgé que vous aussi, peut-être que vous avez des sentiments pour quelqu'un et que vous n'osez pas les dire, et de dire vos sentiments honnêtement et ce que vous ressentez à quelqu'un, ça pourrait peut-être aussi amorcer les choses. On vous dit que vous avez la permission, hein. Alors,
Ici, j'ai des personnes qui se sentent attirées par quelqu'un, mais qui se sentent fragiles à la suite d'une trahison passée. On me dit que vous avez peur à nouveau hein, de tomber de ce barreau, vous avez un petit peu peur de vous recasser la figure sur quelque chose de relationnel. Alors ça peut être aussi cette âme sœur qui a peur aussi, qui se sent vulnérable, qui se sent fragile. Mais il y a une grande attirance ici, on a quand même du 2 ici, donc ça veut dire ici que j'ai quand même un couple. J'ai deux personnes, j'ai un partenariat, j'ai un partenaire ici ou une partenaire qui est là, j'ai une attirance entre deux personnes, mais... On n'ose pas parce qu'on a peut-être été fragilisé par quelqu'un dans le passé qui vous a peut-être trahi. Alors, on va continuer ici. J'ai l'enfant intérieur, j'ai la communication et j'ai la lettre. Alors, en effet, ici, il est peut-être question... Alors, de communiquer déjà avec son enfant intérieur, ça peut être important. Alors, pourquoi pas à travers une lettre que vous pourriez écrire à votre enfant. Qu'est-ce que vous avez envie peut-être de dire à cet enfant à l'intérieur de vous? On me dit aussi... Alors, c'est étrange parce que j'ai le grand-père qui retombe ici. Sur le plan relationnel, il pourrait y avoir une certaine fragilité de la vie relationnelle ici à cause peut-être d'une trahison commise par un grand-père. Ou il y a... ou un arrière-grand-père, c'est en tout cas on parle d'un ancêtre, de quelqu'un plus âgé que vous, qui n'est peut-être même plus de ce monde, hein. Mais ici, il y a éventuellement une blessure transgénérationnelle que vous, petit enfant, hein, de ce grand-parent, avez transporté dans cette vie-ci. Et donc, ça peut nuire aussi à vos relations amoureuses ou affectives. Il est peut-être question d'écrire une lettre aussi à un enfant pour essayer de communiquer. Peut-être avez-vous des choses difficiles. Peut-être êtes-vous grands-parents aussi. C'est ce qu'on me dit. Oh, intéressant parce que moi aussi, j'ai ici un grand-parent qui a peut-être envie de renouer avec un de ses enfants ou au moins de ses petits-enfants aussi. Et on ne sait pas comment faire. On a envie de le faire, on est très attiré par le faire, mais en même temps, on a peur. Hein. On a peur de se casser la figure en le faisant. On se sent vulnérable. On a peur peut-être aussi de montrer sa vulnérabilité, ici ce qu'on me dit. Mais les guides vous conseillent éventuellement de renouer la communication à travers peut-être une lettre, un courrier, un message, à travers l'écriture que vous pourriez faire à votre enfant ou à un de vos petits-enfants aussi, et de parler de cœur à cœur. C'est-à-dire, ouvrez votre cœur, c'est ce qui pourrait peut-être briser la glace aussi. Et il y aura une prise de conscience au cours de l'hiver de la personne à qui vous pourriez avoir écrit. Hein. Le bonheur pourrait à nouveau frapper à la porte. D'ailleurs, frapper à la porte, le bonheur, ça peut être un enfant. Ça peut être vous qui avez la visite d'un de vos enfants. C'est marrant parce que moi, ce que je vois, c'est qu'il y a peut-être un père ou un grand-père qui a éventuellement envie d'écrire à un de ses enfants. Ou comme on est dans une générale, ça peut être aussi une grand-mère ou une mère. Hein. Et en fait, qui lui dévoile son cœur, qui lui ouvre son cœur, qui dit les choses avec son cœur, combien déjà vous l'aimez, combien peut-être vous regrettez certaines choses, je ne sais pas, ou que ça se soit passé comme ça, je l'ignore. Toujours est-il ici qu'en écrivant, vous pourriez voir un jour débarquer la personne directement derrière votre porte parce qu'il y aura une prise de conscience. Et peut-être au cours de l'hiver, donc ça peut être dans les 3 prochains mois, hein, jusqu'à mars à peu près. Bah écoutez, je crois que j'ai rien d'autre à rajouter. Hein. Ça peut être vous aussi qui avez simplement envie d'écrire quelque chose à votre enfant, une lettre, ou aider votre enfant à écrire une lettre aussi peut-être. Hein. Ça peut être un enfant qui a envie d'écrire une lettre à quelqu'un, qui a peut-être besoin de votre aide pour le faire. Un enfant qui a peut-être envie, je sais pas, d'inviter des copains, des copines pour l'anniversaire, et vous allez l'aider aussi à communiquer à travers cet écrit. Ça peut être ça aussi. Bon, il y a des très jolis messages ici, hein. En tout cas, il y a peut-être, voilà, le lâcher prise, mais aussi, on me parle peut-être de cet automne, de démarches à effectuer qui pourraient ramener du bonheur, de la prospérité sur le plan relationnel, sentimental, et surtout, beaucoup d'espoir. Voilà les amis, eh bien, je vous souhaite une très belle continuation, et puis j'espère que si jamais ça parle à quelqu'un,
que bah, cette démarche, si vous l'effectuez, portera vraiment ses fruits. Après, vous avez votre libre arbitre, et en effet, ça peut être un risque aussi d'écrire à une personne, demander pardon, de dire ce que l'on a sur le cœur, au risque que cette personne ne vous réponde pas. D'ailleurs, c'est ce que les guides me disent, peut-être que cette personne ne vous répondra pas tout de suite, donc ne vous mettez pas dans un état émotionnel important, parce que ça risque peut-être de nuire à vos énergies aussi. Laissez le temps après, une fois que c'est fait. Voilà les amis, et bien je vous souhaite une excellente continuation. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci. Alors, pour vous qui avez choisi cette queue de la baleine, alors la queue de la baleine, ça symbolise déjà la sagesse, ça symbolise le courage, ça symbolise l'amour et ça symbolise la force de la nature. Ici, il est peut-être question de relations qui sont basées sur le courage, d'épreuves que vous avez affrontées ensemble. La baleine, elle est dans la mer, elle est l'océan, vous avez affronté des tempêtes, on me dit. Et vous êtes une force de la nature. Votre relation, pour ceux qui sont en couple, votre couple est éventuellement une force de la nature. Ça peut être aussi une relation qui arrive à vous et qui bravera toutes les tempêtes justement parce que cette relation sera très très forte, très puissante. Alors voyons voir ce que les guides ont à vous conseiller. Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Bon, il est question peut-être ici, déjà, du premier conseil, peut-être de traiter vraiment les problèmes familiaux, de les prendre à bras le corps, de pardonner peut-être à vos propres parents. Hein. Les parents ne viennent pas, ne mettent pas au monde leurs enfants avec un mode d'emploi. Et chaque enfant, d'ailleurs, a son propre caractère, son propre libre arbitre. Donc, c'est vrai que ça n'est pas toujours simple. Et donc, il est peut-être question d'apprendre à pardonner à vos parents des erreurs qu'ils ont pu commettre, de se dire qu'ils ont peut-être fait au mieux, ou tout simplement de lâcher prise sur ce passé ou sur cette enfance qui a pu être douloureuse en se disant de toute façon qu'elle est faite, cette enfance. On ne peut pas revenir en arrière. Mais par contre, ce que vous allez faire du reste de votre vie ou du reste de vos relations, ça, c'est vous qui pouvez le décider. Donc en effet, peut-être qu'il est une question d'une relation ici qui est peut-être difficile à établir, peut-être que vous avez du mal à établir des relations sociales ici parce que justement, il y a des problèmes familiaux à traiter. Alors voyons voir la suite. Ouais, on me parle de stabilité, on me parle de fidélité, on me parle d'une relation qui peut durer dans le temps. Mais pour qu'elle dure dans le temps, pour que la stabilité revienne, il va falloir peut-être affronter certaines difficultés familiales. Alors, bah oui, ici j'ai la fuite d'une relation. On vous dit qu'il est temps d'arrêter de fuir peut-être certaines relations. Ça peut être aussi quelqu'un qui a envie de stabilité dans ses relations, qui a envie de rencontrer quelqu'un, de construire quelque chose, mais qui est très souvent, dès que ça prend une tournure très positive, fuit la relation. Et on vous dit que ça vient très clairement d'un problème familial, peut-être même lié à votre enfance ou à des ancêtres aussi. Hein. C'est une blessure familiale, il y a peut-être besoin de travailler sur une blessure transgénérationnelle ici. Alors, on me parle bien de transformation ici, on me parle bien de l'unité, on me parle bien ici du chiffre 1 qui amène quelque chose de nouveau. Alors vient le temps où les différences ne séparent plus. Alors, moi ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il peut être question de problèmes familiaux, de se sentir différent des autres. Ça peut être un exemple, par exemple, vous avez pris conscience de votre homosexualité et vous vous sentez différent des autres et du coup, ça a entraîné peut-être des tensions familiales. Et là, on vous dit de ne plus fuir en fait ce que vous êtes déjà, vous, et de ne plus fuir les autres aussi de votre famille ou des personnes qui sont proches de vous, parce que la stabilité peut être là en fait. Et on vous dit que justement, là, vous arrivez au mois de novembre dans un temps où les énergies se transforment et où finalement vos différences ne vont plus vous séparer des autres. Peut-être parce que vous aviez aussi besoin, vous, d'accepter ce que vous êtes ou qui vous êtes, tout simplement.
Bah, j'entends aussi, par exemple, ça peut être quelqu'un qui est médium, qui voit des choses et qui ressent des choses depuis qu'il est tout petit, ayant eu des parents peut-être très cartésiens à ne pas croire à ce genre de choses, ça a été compliqué. Mais là, aujourd'hui, il y a peut-être un établissement de la communication, il y a peut-être besoin de traiter aussi les problèmes familiaux, quitte éventuellement à couper certains ponts. Ça peut être le cas aussi, malheureusement. Il y a parfois des relations toxiques au sein d'une famille dont on est obligé peut-être de couper. Donc on est peut-être obligé des fois de fuir certaines relations pour retrouver une certaine stabilité, pour retrouver une certaine unité avec soi, pour retrouver une unité aussi avec des personnes qui, elles, vous sont fidèles et loyales. Ouais, il y a besoin ici d'une réconciliation peut-être sur le plan familial pour certains. Ouais, j'ai beaucoup de verre ici, beaucoup de cœur entouré de verre. Donc il y a besoin de guérir peut-être de certaines blessures du passé, de retrouver beaucoup de douceur. J'ai une énergie du 3 ici. Donc en fait, on vous dit que ce qui va vous permettre de cesser peut-être de fuir une relation, c'est d'agir, c'est d'affronter cette relation. Ouais, il y a des blessures hein, dans le passé, il y a des blessures, mais il y a de la joie qui peut renaître ici. Il y a de la joie qui peut revenir et ça peut passer par une séparation. En effet, ici, les questions, en effet, de joie qui revient après peut-être le fait de se séparer de certaines personnes. Donc, en effet, il y a peut-être des choses à affronter au niveau d'une relation ou en tout cas au niveau des relations familiales pour pouvoir se réparer. Il y a besoin de se séparer des blessures du passé et de se réconcilier avec soi-même et peut-être avec quelqu'un. Ben oui, la baleine, ça demande de la sagesse et du courage. Et ça, finalement, c'est un symbole pour vous en ce mois de novembre. C'est-à-dire que vous allez avoir à la fois la sagesse et le courage nécessaire d'affronter peut-être certaines relations autour de vous, soit d'amener de l'énergie de transformation en vraiment parlant, en communiquant, en étant vraiment dans les choses, hein, bien concrètes. Soit, ben, en effet, s'il n'y a pas matière à dialoguer, s'il n'y a pas d'ouverture possible, eh bien parfois la séparation avec ces personnes ne sont que la seule et unique solution. Mais dans tous les cas ici, au centre de votre tirage, malgré les blessures, malgré les séparations, malgré les difficultés, j'ai quand même une joie et j'ai de l'équilibre avec ce 23 qui nous fait 5 qui revient. Vous allez retrouver de la joie et de la douceur, mais ça demande à affronter peut-être une relation qui vous bloque. J'ai vraiment un blocage ici qui est lié peut-être à quelque chose de relationnel. Alors je sais que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde. Si jamais ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir un autre tarot, hein. Ça pourra peut-être être davantage pour vous. Et puis si rien ne vous parle, c'est que peut-être qu'il n'y avait pas de message à recevoir pour vous ce mois de novembre. Je vais faire de toute façon hein, aussi des guidances sentimentales par semaine aussi, à choix aussi, donc peut-être que vous en aurez une qui vous conviendra aussi. Voilà. Ouais, j'ai beaucoup de réparation, j'ai de la guérison ici, beaucoup de verre ici, besoin de guérir son cœur, besoin de réparer son cœur, besoin de réparer certaines relations pour retrouver une certaine stabilité. Ben, les problèmes familiaux, la stabilité de la famille, ça peut être aussi, j'entends, une famille recomposée qui a peut-être besoin d'apprendre à vivre ensemble aussi, malgré les blessures de chacun et chacune, et de cesser de fuir les relations. Hein, vous êtes dans le même bateau, c'est ce qu'on me dit hein, avec cette ancre finalement, vous êtes dans le même bateau, et qu'il faut apprendre peut-être à se connaître davantage, à ne plus être les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. Parce que même si vous êtes une famille recomposée, on me dit que vous êtes quand même une famille. Et, ouais, et la famille, c'est pas que les liens du sang, en fait, c'est ce qu'on vous dit. Mais pour ça, il y a peut-être besoin de se séparer de certaines blessures, de personnes qui vous ont blessé. Il y a peut-être besoin d'agir dans la matière aussi, et de voir les choses d'un nouvel angle, d'un nouvel œil, j'entends. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Bien, je vous souhaite une très belle continuation. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, merci. Allez, on termine par vous qui avez choisi le hibou. Alors, le hibou, la chouette. Il va être question ici d'une évolution de la perception, de voir les choses sous un autre angle, sous un angle différent ici. La chouette, c'est aussi la sagesse, c'est aussi la spiritualité. Donc il peut être question d'une relation spirituelle, il peut être question d'une relation pleine de sagesse. Il est peut-être question aussi de percevoir les choses différemment par rapport à une relation autour de vous, ou de percevoir les relations autour de vous de façon différente. La chouette, c'est la nuit aussi, ça peut être quelque
chose qui est révélé, j'entends aussi. Une relation secrète, peut-être. Alors, voyons voir. On me parle de réconciliation ici pour vous, donc les conseils de vos guides, hein, ce sont les conseils de vos guides ici. La réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie, donc il pourrait être question ici d'une personne avec qui vous avez peut-être besoin de vous réconcilier. Pas que amoureux, ça peut être quelqu'un de la famille, vous avez peut-être ici une réconciliation qui arrive au mois de novembre. On me dit qu'elle se fait de façon sage, il peut être question aussi de percevoir les choses différemment au point qu'on est peut-être capable de se réconcilier, ça peut être quelqu'un aussi qui a finalement changé par rapport à son passé. Ça peut être quelqu'un du signe du cancer, lion ou vierge, ici aussi. On me parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue aussi, parce qu'il est peut-être question de se réconcilier avec quelqu'un d'autre. Il est peut-être question aussi de se réconcilier, j'entends, avec son passé, au point que finalement, on est capable aujourd'hui de construire quelque chose avec des bases solides. On est sur du 40 ici. Le 4, c'est la solidité, les bases solides, et le 0 amplifie cette valeur du 4. Donc on est ici, peut-être dans une relation qui est en train de se construire, peut-être depuis cet été, avec une personne, soit du passé, ça peut être quelqu'un, un ex ou une ex qui est revenue et que vous reconstruisez quelque chose parce que les choses ont changé aujourd'hui. Et ça peut être aussi, j'entends, que l'on s'est réconcilié avec son passé et donc on a pu avancer vers quelque chose de nouveau. On me dit que votre âme sœur n'est pas forcément prête. Alors, votre âme sœur n'est peut-être pas prête à se réconcilier non plus, ça peut être ça. D'où le fait que vous avez peut-être besoin pour avancer aussi de vous réconcilier aussi avec votre passé, même si l'autre n'est pas prêt. Alors on va voir les autres messages. La flamme, mon désir et le feu de mon incarnation. La série désir avec le 5 qui nous fait quelque chose qui symbolise l'équilibre, la stabilité aussi. Hein. L'équilibre c'est le 5. Alors ton âme sœur n'est pas prête... Moi, j'ai quelque chose qui a besoin d'être en douceur, en fait. La flamme, ici, c'est quelque chose qui est plus rapide. C'est le désir, c'est la passion. C'est quelque chose qui peut brûler très vite. Et en fait, ici, on vous dit que votre âme sœur, elle n'est pas prête à quelque chose de rapide. Elle est plutôt a besoin d'être dans des énergies de douceur. Ok, alors on me parle aussi que s'il y a une personne qui, là, au mois de novembre, par contre, revient vers vous, il est peut-être question que vous mettiez un stop à cette relation-là. On me parle de confiance et on me parle de communication. Alors, on me dit ici que vous allez peut-être... vous n'avez plus confiance ici, peut-être, envers quelqu'un. Vous n'avez plus confiance dans ce que cette personne vous dit. Donc... il y a peut-être aussi quelque chose comme ça avec cette réconciliation. Ça peut être une réconciliation impossible de votre côté parce qu'il y a eu trop de trahison, il y a eu des mensonges éventuellement et qu'il y a eu une grosse perte de confiance. Ça peut dater de l'été dernier, ça peut concerner une personne cancer, lion ou vierge. Et on vous dit qu'il y a peut-être eu une rupture de communication ici. Vous avez stoppé toute communication avec cette personne parce que vous avez stoppé la confiance envers cette personne-là. On me dit aussi que vous avez besoin aussi de vous réconcilier avec votre passé parce que il y a peut-être eu un stop hein, dans une relation passée. Ça peut être une relation qui n'a pas duré, quelque chose qui a peut-être été même très douloureux, peut-être l'été dernier. Et ici, on me dit que vous avez ici cette énergie, besoin de reprendre confiance, peut-être besoin de communiquer, de parler aussi de ce qui vous pèse, de ce qui vous a blessé. On vous dit aussi que ici, vous avez peut-être pu rencontrer quelqu'un aussi qui se sent pas prête, comme je vous disais, à aller trop vite, qui a besoin de plus de douceur, de lenteur. Et il y a aussi surtout besoin de beaucoup de communication avec cette personne pour aider cette personne à avoir confiance. Ça peut être une personne aussi avec qui vous êtes, qui elle a besoin de se réconcilier avec son passé parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est stoppé peut-être trop brutalement ou quelque chose comme ça dans le passé et qui a besoin de reprendre confiance. Et on me dit en fait ici que vous avez peut-être besoin... de vous focaliser sur ce que ressent l'autre, de l'aider, d'être dans la communication avec l'autre pour aider la relation à s'étouffer et à la flamme de grandir.
Alors, j'ai une affinité, j'ai de l'attraction ici avec quelqu'un, peut-être au cours d'un voyage, et j'ai de la confiance qui revient. Donc, en effet, il y a eu une perte de confiance, peut-être par rapport à un passé, et là, j'ai une confiance qui est en train de se réinstaller. Vous êtes sur un nouveau chemin de confiance, vous êtes éventuellement dans une relation où vous êtes très attirés l'un vers l'autre. Ça peut être... beaucoup de communications seront nécessaires pour établir cette confiance. Hein. On me dit ici qu'on a très peut-être souvent brisé votre confiance ou brisé la confiance de l'autre, et qu'il y a besoin peut-être de laisser du temps au temps pour regagner cette confiance, pour avancer. J'ai quand même deux fois la confiance hein, qui ressort ici. Et j'ai vraiment une attirance ici. Hein. Il y a peut-être une attirance mutuelle. Il y a éventuellement une attirance, un désir ici aussi entre deux personnes. Moi, ce que j'entends, c'est que vous n'êtes peut-être pas en couple non plus, qu'il y a cette attirance, il y a ce désir, mais on a peur. On a peur de se casser à nouveau la figure, on a peur à nouveau de faire confiance, et on est dans l'hésitation ici. Et on vous dit que la confiance, elle va se gagner, mais petit à petit, à travers la discussion, à travers la communication, à travers le fait de parler. Et c'est d'ailleurs ce qui va créer cette atmosphère chaleureuse et détendue, et quand on est détendu, eh bien on baisse un petit peu plus ses gardes, on baisse un petit peu plus ses barrières, et donc bah forcément la confiance, elle peut venir rallumer cette flamme et créer ce nouveau couple éventuellement peut-être, ou cette nouvelle relation. Ça peut être une relation aussi amicale ou relation spirituelle aussi. Justement, ça peut permettre, hein, comme je lisais avec cette carte du hibou, de voir les choses sous un nouvel angle. Cette relation sous un nouvel angle également. Voilà les amis, eh bien je vous souhaite une excellente continuation. J'espère que ça vous a plu, que ça aura éclairé quelques lanternes, en tout cas parmi vous. Je vous dis merci beaucoup et à très bientôt.